Charlie en élément de sûreté arrière, India en élément de réserve sur ma position. Ici, 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 devant là. Allez, ici, bravo. Bravo, bravo. Charlie. Charlie où? Là, vous faites protection entre la police et nous. Vous faites bouclier de protection. Pourquoi l'État a-t-il si peur des mobilisations écologistes? Comment vous réagissez là à cette demande de... Mais c'est incroyable, c'est une mobilisation écologiste pour juste protéger la vie des gens et leur logement. Et vous voyez le nombre de policiers qui sont déployés. Et une décision démocratique de l'Assemblée nationale. Les policiers disent que c'est pas déclaré. Que... Mais c'est pas déclaré et après, il se passe quoi? Enfin, je veux dire... Étonné de ce dispositif-là. Mais incroyable, et enfin, c'est incroyable le nombre de policiers qui sont déployés en un temps record juste pour protéger le fait qu'il y ait un amendement dans l'Assemblée nationale qui a été voté la semaine dernière pour dire que les logements doivent être rénovés. On en est là, de la tension là. Il s'agit juste de rénover des logements. Et on a des cartes de CRS pour nous empêcher de dire que c'est important. Mais vraiment, là, le pouvoir est en train de perdre son sang-froid. Vous disiez l'État a peur? Non. L'État a peur, mais il n'a pas peur du réchauffement climatique, il a peur des écologistes et il se trompe de peur. Il se trompe de peur, vraiment. Et surtout, l'État est incohérent. Aujourd'hui, il a une priorité, ça se finance. Donc à un moment, soit on veut de la sobriété, soit on veut de l'action climatique et on met les 7 milliards supplémentaires proposés par notre collègue Ivassa sur la rénovation thermique, soit on pense que le climat n'est pas une priorité mais on ne le met pas. Et en fait, c'est simple. À un moment, là, on a un amendement. Il a été voté par l'Assemblée nationale, il y a une majorité, il y a une demande, et c'est le collectif Dernière Rénovation qui le porte. Donc la question c'est, est-ce qu'ils prennent au sérieux ou pas la question climatique? On vous accuse de jeter, je cite, hein, c'est pas moi qui le dis, de jeter les milliards par les fenêtres, de faire n'importe quoi, d'être contre-productif, qu'est-ce que mais vous répondez eux qui à font, ça enfin, c'est eux qui font des... Pardon, excuse-moi, vas-y. Aujourd'hui, l'État ne fait pas du tout assez pour la rénovation thermique. Et même en 2008 et en 2010, l'État faisait plus. Donc l'État aujourd'hui nous dit qu'il fait énormément, mais en fait ils sont très en deçà des besoins. Ça a été démontré par le rapport Sichel que le gouvernement a lui-même commandé. Il faut 9 milliards d'euros par an pour la rénovation thermique, pour régler la question des passoires thermiques. Et donc maintenant, on leur a démontré la nécessité de mettre ces milliards. Il faut qu'ils passent à l'acte. En particulier pour ôter tous les doutes sur ce sujet. L'année dernière, il y a 60 000 rénovations globales qui ont eu lieu sur un objectif de 800 000 par an. Donc ça fait moins de 1 sur 10. Je ne sais pas si vous voyez. Donc si on retourne sur les bancs de l'école, ça fait une note de 2 sur 20.
pour le gouvernement, pour protéger notre avenir et pour protéger les 12 millions de Français qui vivent dans la précarité énergétique, dans des passoires thermiques. Donc cet après-midi, ce qu'il ne faut surtout pas qu'il se passe, c'est que le gouvernement nous dise « je vais vous rendre un bulletin qui sera plus de 2 sur 20, mais de 4, 6, 8 sur 20, ça ne suffit pas. Il faut qu'on aille à 20 sur 20, sinon on ne survit pas. C'est une question de survie à court terme pour ces Français qui vivent dans des conditions précaires. Plus de 2200 morts chaque année du fait des conditions de vie dans ces passoires thermiques. Et surtout pour le climat, je rappelle que ce secteur représente 20% des émissions de CO2 du pays et 45% de la consommation énergétique. C'est énorme dans un contexte de crise énergique actuelle. MaPrimeRénov', ça ne marche pas. MaPrimeRénov', on a le rapport de la Cour des comptes qui est arrivé la semaine dernière. Je pense qu'il est sans équivoque. Les termes sont complètement impressionnants. On parle incompréhensible, peu clair, etc. Regardez vous-même. Non, le gouvernement et l'exécutif, les mesures qui ont été mises en œuvre ces dernières années ne sont pas suffisantes du tout. Et pourtant, les feuilles de route existent. La Convention citoyenne pour le climat en a proposé une en 2019 qui a été écartée du revers de la main. La Fondation Abbé Pierre agit depuis des années et n'attend qu'une seule chose, c'est d'avoir les moyens de mettre en œuvre ces plans de rénovation. Donc cet après-midi, par-dessus tout, il faut que ces amendements restent intacts dans le projet de loi du gouvernement, même s'il fait appel au 49.3. Loïc, citoyen de Dernière Innovation. Manifestation d'Action française la semaine dernière, il y avait beaucoup moins de policiers. Ouais. Quand il y a l'extrême droite dans la rue, il y a beaucoup moins de policiers. Et je doute qu'ils aient déclaré leur manifestation. Et ils n'avaient pas déclaré leur manifestation et ils balançaient des bouteilles de verre à la tête des passants. J'ai des proches qui étaient à la terrasse des cafés concernés et vraiment, il n'y avait pas de policiers. C'est l'éco-terrorisme. Ouais, l'éco-terrorisme aujourd'hui, c'est de dégrader la planète. Le gouvernement est obligé d'envoyer 9 quarts de CRS pour une manifestation qui déjà n'est pas une manifestation mais juste un rassemblement de citoyens comme tout le monde. Citoyens qui veulent juste s'assurer que le gouvernement prend la mesure de l'urgence climatique, que le gouvernement prend la mesure de la souffrance des 12 millions de personnes qui vivent en précarité énergétique. Donc je pense que c'est intéressant qu'on peut noter les forces de police qui sont présentes aujourd'hui, qui sont en très grand nombre, alors qu'on est juste en train de discuter dans un parc. C'est vraiment des citoyens comme tout le monde qui sont en train de discuter dans un parc, qui du coup par définition sont non violents, mais ils ont quand même envoyé 9 quarts de CRS. On nous empêche d'avancer, de circuler. Je pense que c'est parce que le gouvernement a compris que s'il rejetait l'amendement du 49.3, pardon, s'il rejetait les amendements de rénovation thermique dans le 49.3, ils envoyaient un signal fort aux Français. Ce signal, il serait que finalement, la précarité énergétique des Français n'est pas un sujet suffisamment important pour mériter un budget. Et le réchauffement climatique non plus. Là, pour le contexte, on est quand même immobilisé. Je sais pas si vous voyez, mais on est encerclé par la police. Ils nous bloquent aussi, on peut plus rentrer dans le parc. Donc là, on ne sait pas trop quelle va être la suite. L'idée, c'est juste de montrer qu'on est présent aujourd'hui. Et on est en train de réfléchir à, et peut-être de commencer à discuter avec la police pour voir s'ils veulent nous laisser nous déplacer dans Paris pour être visibles aujourd'hui. Vous pourrez aller à l'Assemblée si vous voulez nous accompagner, ça serait utile. Je pense qu'on va essayer quelque chose, ouais. Ouais, comme ça. D'ici quelques minutes, on va voir exactement ce que... Les images ne soient pas détournées ou détournables pour dire que c'est vrai que là on arrive à cette situation sur le gouvernement. Et comme tout le monde disait, si c'est eux qui font, ils se mettent en faux, ils sont complètement balancés. La détermination, le courage aussi de Dernière Rénovation,
Si vous m'aviez dit il y a quelques années qu'il y aurait une mobilisation non violente, pacifique, de désobéissance civile pour la rénovation thermique, je ne vous aurais pas cru. Et en fait, ces jeunes gens, parce qu'ils sont effectivement très jeunes, ont identifié la rénovation thermique comme vraiment un point de levier phénoménal pour quelque part concilier la crainte de la fin du monde et les fins de mois. Quand je rénove votre logement, je vous fais économiser un 13e mois écolo. Vous payez moins cher vos factures, ça crée de l'emploi, c'est bon pour la santé et c'est bon pour le climat. Et c'est même bon pour l'indépendance énergétique ou l'autonomie énergétique, moins dépendre de ces hydrocarbures russes qu'on paye aujourd'hui très cher et qui financent l'effort de guerre de Poutine face à l'Ukraine. Donc vous voyez, la rénovation thermique, mettre des milliards sur la table pour des grands travaux, comme l'a proposé Eva Sass et le groupe écologiste dans ce fameux amendement à 7 milliards d'euros, c'est une solution pour le climat, pour la santé, pour l'emploi. Vous voyez, c'est presque une panacée. Et donc, moi, je me réjouis quand il y a comme ça un continuum entre la mobilisation sur le terrain, la désobéissance civile non violente, et puis l'action dans les institutions. C'est ça, l'écologie. Et donc, aujourd'hui, on est là pour cet amendement, et aussi parce qu'il y a un aspect démocratique. On le sait peu, mais quand le gouvernement engage sa responsabilité avec l'article 49.3 de la Constitution, en fait, il peut choisir le texte. Il peut écarter un amendement qui a pourtant été voté par une majorité à l'Assemblée. Et donc, nous sommes là pour dire, n'ajoutez pas le déni démocratique à l'inaction climatique. On a besoin de rénover les logements, on a besoin de des milliards sur la table, d'abord pour les plus vulnérables, et vous ne pouvez pas comme ça effacer les votes. Il y a Rousseau à droite, c'est Bailly. D'accord, oui. Ali ? Pierre ? S'il vous plaît, on se met derrière. On avance ? Vous passez droit du côté aussi. Vous passez droit. Stop les gars, on arrête, on avance plus. Allez, stop. Alex. Bravo. 20 mètres. Vous aviez dit que vous nous laissiez passer. On s'est mis d'accord pour que vous nous laissiez aller jusqu'à la place qui est à côté de l'Assemblée nationale. Messieurs, dames, merci de patienter quelques instants. Vous avez d'autres camarades qui bougent pas. On ne bouge pas, je pars. On partage avec tout le monde. C'est l'idée. On patiente juste quelques instants. On patiente, pas de problème. Nous sommes très patients. Ça fait 30 ans qu'on attend. On était vraiment très très patients sur le réchauffement climatique. On a pris notre temps. Oui. Et là, maintenant, c'est urgent. L'objectif, c'est de marcher jusqu'à l'Assemblée, c'est ça ? Oui, ouais, ça change. En fait, l'objectif, surtout, c'est que dans le 49.3, puisqu'on sait qu'il va y avoir un 49.3, on garde cet amendement, le gouvernement garde cet amendement. Madame, est-ce que vous voulez vous mettre plus près ? C'est ça l'objectif. Vous voulez vous mettre à côté de... Le principal objectif, oui. Faire en sorte que la rénovation ait vraiment lieu. Que ce soit comme pas vous juste préférez, si vous voulez. Vous l'espérez, oui, mais vous y croyez ? Ah oui, je pense que si on monte la mobilisation, c'est d'utilité publique. C'est absolument indispensable. L'union. J'espère que le gouvernement entendra. Mais là, il y a un peu d'intimidation. Ouais, c'est un peu intimidant, effectivement. Il y a un peu d'intimidation. Vous êtes de jeunes, en plus.
Pardon ? Oui, vous le sentez ? Ne vous retournez pas, il y a des gens derrière. Charlie Delta, ils sont restés là. Surtout, ne faites pas attention, mais derrière vous, il y a des gens. C'est bon, tout le monde est là ? Le prêt, ouais, je pense que c'est une espèce d'arnaque qui nous a fait. C'est aussi à l'international. Oui, c'est une cause internationale. Pierre. Ah ouais. À l'écoute, réceptif, dispo. Si vous êtes dispo, si vous n'avez rien de mieux à faire, vraiment. Donc, comme on le pensait, la police nous a menti. On n'est pas du tout en train d'attendre pour temporiser. Non, on est en train d'attendre parce que la police a besoin de débloquer un blocage qui est en train d'avoir lieu sur le pont. Et donc, le but, c'est de nous empêcher de nous rassembler. Et ils ont besoin, du coup, de nous diviser. Là, l'idée, c'est juste de rejoindre la masse de gens. Recale bien sur le trottoir. C'est vrai. J'avais beaucoup aimé parce que tu avais à la fois des mouvements écolo, des mouvements sociaux. Tu es allé en Argentine. Décalé vers la gauche. Non, bah en fait j'y étais. Non, oui, pas de soucis. Avec bien sûr. En fait j'ai participé au sommet. Si vous connaissez, enfin si tu connais le sommet des villes. Oui. C'est parti de la délégation jeune. Et qui le vend. Les autoroutes, oui. Excusez-moi. Et à la fois, en fait, c'est venir. Ah, monsieur. Eh bien, monsieur, ça se fait pas du tout. Mais j'hallucine. C'est pas le bon endroit pour dire ça. Jamais on dit des choses comme ça. Alors, ça, c'est un autre sujet. C'est marketing mindset. Il y a plein de gens qui disent que passés hier, qui allouent 12 milliards à la rénovation énergétique. On le demande et on l'attend. Là, aujourd'hui, il va probablement y avoir un 49-3 qui va supprimer peut-être ces amendements. On est là pour éviter qu'ils soient justement supprimés. Il y a eu la Convention citoyenne pour le climat. Il y a des représentants qui sont ici, qui ont déjà fait le boulot. Il y a les députés qui l'ont voté, qui sont les représentants de la nation. Pourquoi un gouvernement qui n'est pas une instance élue, qui est une instance nommée, aurait le droit de nous condamner? Pourquoi? Qui peut répondre à ça, là? Personne là-bas? Qui peut répondre à ça? Voilà pourquoi on est là.
Merci à vous. Merci à vous, dernière rénovation, d'avoir suivi. Je voulais juste vous dire, donc j'étais membre de la Convention citoyenne pour le climat pour me présenter, et je suis ravi et très fier d'être parmi vous aujourd'hui, puisque vous prenez la défense d'une des mesures les plus pragmatiques de notre Convention citoyenne, c'est la rénovation thermique des logements. Et 11 milliards qui sont sur la table, c'est enfin le saut d'échelle pour passer des petits gestes aux gestes qui sauvent. Donc merci aussi aux députés d'avoir déposé cet amendement qui est dans la ligne droite de ce que nous avions déposé à la loi à la Convention citoyenne. Il fallait une vraie loi climat. La loi climat n'est toujours pas là. Je voulais vous dire aussi que cette rénovation thermique, c'est extrêmement important, et je suis ici plein d'espoir, et je ne suis pas à râler. C'est-à-dire que je suis plein d'espoir de voir qu'on met enfin de l'argent sur la table qui est à la hauteur. Et ces amendements, il faut qu'ils restent solidement ancrés dans ce vote du budget, et je compte sur tout le monde pour que ça puisse passer. On a besoin de rénover nos logements, 500 000 logements par an, c'est ce que nous avons proposé au gouvernement. Ils nous ont dit, vous savez, on va faire juste l'interdiction de location des passoires thermiques en 2028. C'est pas assez. Et combien de temps faudra-t-il à Emmanuel Macron pour organiser la massification d'un procédé dont on sait combien il coûte et dont on sait connaît les besoins et les résultats? Donc le temps passe et ces mesures de la Convention citoyenne prennent la poussière. Ça fait 2 ans, au moins 1 million de logements auraient pu être rénovés depuis 2 ans pour sortir les mal chauffés d'un quotidien qui est violent. Cette action qui est ici est non violente. C'est pour ça que nous sommes là. Au-delà des effets sur l'environnement, citoyens, militants et politiques, si on veut que le climat ne change plus, il faut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir se redonner confiance. Et ce budget de 12 milliards, il redonne confiance. C'est le meilleur usage possible qu'on peut se faire d'argent public, la rénovation thermique globale. Et je tiens aussi à m'adresser à Madame Elisabeth Borne, dont vous avez reçu en main propre nos mesures de 500 pages, 149 mesures, fruit de 9 mois de travail de 150 citoyens venus de toute la France, pour vous aider à être face à une histoire, face au plus grand péril. Vous étiez après ministre de l'écologie. Aujourd'hui, ne faites pas un 49-3 sur notre avenir. Ce budget dédié à la rénovation thermique est vital. Merci à vous. On a une chance unique aujourd'hui de passer à un budget qui soit à la hauteur de l'urgence. Il ne faut surtout pas qu'on tombe dans le piège, et on n'est pas dupes, Madame Borne, cet après-midi, si vous nous faites des promesses avec des budgets légèrement augmentés, de manière non significative. On sait très bien que ça va continuer comme ça et que l'année prochaine, la Cour des comptes va dire la même chose. Ça ne peut pas continuer. Vous saisissez cette chance de lancer enfin la France sur la trajectoire du respect des accords de Paris. Vous devez réparer le préjudice climatique. Vous avez jusqu'au 31 décembre. C'est peut-être la dernière chance que vous avez de vous racheter. Une année de plus, c'est 2200 personnes qui vont mourir, comme tous les ans, dans ces passoires thermiques. Ça suffit. Prenez vos responsabilités et ne retirez pas ces amendements du projet de loi de cet après-midi. Voilà, peut-être juste un dernier mot, mais dans les médias, sur les réseaux sociaux, on a atteint de nous dire qu'on est des éco-terroristes, qu'on est dangereux, qu'on est violents, mais la vérité, c'est qu'on est des jeunes, des moins jeunes, des citoyens, des citoyennes qui sommes anxieux, qui ont été en colère, et maintenant qui nous battons par amour pour les générations présentes et les générations à venir. Nous avons le pouvoir de changer l'histoire. L'histoire, avec un grand H, a toujours été écrite par des citoyens et des citoyennes ordinaires qui ont le courage, à un moment donné, de faire ce qui était juste et pas seulement ce qui était confortable. Nous sommes à un moment historique et nous avons le pouvoir. Et nous sommes là pour dire au gouvernement que nous ne nous arrêterons pas de mettre la pression tant qu'une loi sérieuse et qu'un budget sera alloué à la rénovation thermique des bâtiments d'ici 2040. Si on est incapable de gagner cette première étape, on ne gagnera rien. C'est la première étape pour notre survie. Alors on appelle à toutes celles et tous ceux qui, comme nous, comprenons que la situation est grave, à nous rejoindre. Nous avons le pouvoir et nous pouvons changer les choses. Merci. Thank you.
Je m'appelle Alizée, j'ai 23 ans et certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de moi parce que je suis la meuf qui s'est accouchée au filet de Roland Garros. Cette meuf-là, c'est juste une meuf normale qui aurait jamais pensé il y a 6 mois se faire encercler par des flics, devoir s'asseoir sur une route et juste crier à l'aide parce qu'elle a envie de vivre. Là, on est en train de bloquer une route devant l'Assemblée nationale. On demande en fait à protéger les deux amendements qui proposent d'augmenter le budget pour la rénovation des bâtiments de 12 milliards d'euros. C'est un amendement qui serait extrêmement précieux pour pouvoir à la fois protéger les conditions de vie des gens qui viennent de logements extrêmement mal isolés, donc qui souffrent par le froid et par le chaud, mais aussi, surtout, extrêmement important face à l'urgence climatique. C'est un premier pas absolument indispensable si on veut pouvoir se protéger des pires conséquences du réchauffement climatique, c'est-à-dire guerre, famine, souffrance indescriptible. Le blocage comme ça, c'est la seule solution? Actuellement, ça risque de l'être. En fait, le gouvernement va très probablement utiliser un 49-3. Du coup, on est là pour exiger en fait de Madame Borne qu'elle conserve ces deux amendements, qu'on garde ces 12 milliards pour la rénovation des bâtiments. Le soutien de plusieurs députés, Sandrine Rousseau, Julien Bayou et d'autres, ça vous touche, ça vous fait plaisir? C'est une bonne chose dans l'absolu parce que cette victoire doit être emportée la plus vite possible. Du coup, c'est une bonne chose que des représentants de l'État fassent leur travail pour protéger les conditions de vie des personnes qui viennent des passeurs thermiques. C'est une avancée. À dégrader la planète. Aujourd'hui, c'est Total qui est éco-terroriste, c'est toutes ces grandes entreprises qui font que nos conditions de vie sur Terre sont menacées. Et là, c'est juste pacifiste, c'est une occupation pour dire qu'il est très important que les personnes vivent dans des logements rénovés et qu'en plus, ces logements rénovés permettent de diminuer les factures électriques et de gaz et de chauffage. Et vraiment, là, c'est une nécessité et sociale et écologique. Mais légalement et moralement, vous vous arrêtez où? C'est la question que pose notamment Sainte-Savine ce week-end. Il y a eu des tensions des deux côtés, mais des tensions. Il y a évidemment les œuvres d'art qui sont vandalisées, il n'y a pas d'autre mot. Où est-ce que vous vous arrêtez, les écologistes? Moi déjà, je n'ai pas mis de soupe sur les œuvres d'art. Ceci dit, je pense qu'on n'a jamais autant parlé de climat que depuis qu'il y a eu cette action. Et en fait, la question, c'est la non-violence. C'est-à-dire qu'on s'arrête à la non-violence. Dès lors que ça devient violent, alors on passe dans un autre cap. Mais sur les tableaux, tout le monde entier a parlé de ces tournesols qui sont peints et qui sont un chef-d'œuvre. Mais les tournesols qui sont dans les champs, la planète...
c'est un bien commun, c'est un chef-d'œuvre. Et aujourd'hui, on est en train de le dégrader sans aucune espèce de souci des conséquences que ça. Là, il y a énormément de jeunes sur cette action. Ce sont des jeunes dont la vie dépendra des mesures qui sont prises aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est pas une petite chose, en fait. Qu'est-ce que vous répondez, encore une fois, je vous ai déjà posé la question, mais à Gérald Darmanin qui parle d'éco terroriste, parce qu'on sent aussi la violence monter, même chez ces jeunes-là, qui n'en peuvent plus. Ils sont très sincères, mais il y a quand même une violence qui monte politiquement, non? Face au climato-scepticisme du gouvernement, il y a une violence qui monte parce que c'est leurs conditions de vie qui sont en cause. Là, on va parler de la manière dont eux vont vivre sur cette planète. Donc c'est normal que ça monte. Et aujourd'hui, plutôt que d'envoyer pléthore de gendarmes et de policiers pour intimider ces mouvements-là, écoutez-les, entendez ce qu'ils ont à dire. Vraiment, ils ne protègent que le bien commun. Excusez-moi, vous avez pas l'impression que... Les policiers ne font que protéger l'Assemblée nationale, ils font juste leur travail, non? Ils intimident personne. Là-bas, il y avait 9 quarts de gendarmes mobiles. Il y a l'Assemblée là, il y a l'Élysée de l'autre côté, c'est normal, non? Non, il y a 9 quarts de gendarmes mobiles pour je sais pas combien on est, mais je sais même pas si on est 200 ou 300, donc c'est totalement disproportionné. Et quand il y a eu les ministres d'extrême droite dans la rue qui balançaient quand même des bouteilles en verre à la tête des gens, il n'y avait pas autant de forces de l'ordre qui étaient pour protéger la population. Donc je dis, là maintenant, plutôt que d'avoir peur des écologistes, ayons peur du dérèglement climatique. Il est temps d'avoir peur du dérèglement climatique là. Vraiment, on devrait en avoir très très peur. Et donc les écologistes ne sont là que pour alerter sur les dangers qu'on encourt à ne rien faire. Merci beaucoup, Madame Rousseau. Merci. Vérifier qu'il n'y ait pas de violence qui s'adresse à ces jeunes qui sont absolument non-violents. Voilà. Ouais. C'est indispensable de vérifier ça. Et en tant que député, nous sommes dans notre rôle à vérifier qu'il n'y ait pas de violence. On met le cerf sur le trottoir. On avance. Allez, maintenant on referme là-bas. Non, par ici. Vous n'êtes pas assez, vous le dites. C'est bon, vous enlevez toutes les personnes qui voulaient sortir. Alain, okay. Alain, c'est bon, j'ai pas plus là. C'est une action très importante parce que justement par cette occupation de l'espace public, encore une fois non violente, ça permet d'alerter tout le monde sur l'importance de ce qui va se passer dans l'Assemblée nationale. Là, on a gagné un amendement par le jeu démocratique et par le climato-scepticisme du gouvernement. Il est possible qu'il saute dans le 49-3 et eux sont là et elles sont là pour dire combien il est important que cet amendement reste. C'est pour ça qu'on les soutient, parce qu'il s'agit de la vie de personnes en fait. Il y a des personnes qui vivent dans des logements insalubres, dans des passoires thermiques, qui n'arrivent pas à payer leurs factures et qui meurent de froid et d'insalubrité. Là, ce qu'ils font, c'est une action et sociale et écologiste. Puis il faut quand même savoir que l'amendement a été voté lundi soir. On est mercredi, enfin, ces gens se sont mobilisés à une vitesse exceptionnelle en fait. Donc il y a des gens qui ne veulent pas aller en garde à vue, mais il faut quand même voir le courage de ces gens-là qui sont là, dont certains ont les mains gluées au sol, qui sont prêts à tout pour rester, pour faire passer leur message. On n'a plus le temps d'attendre en fait. On n'a plus du tout le temps d'attendre. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est rien par rapport à l'urgence de la situation. Et si le gouvernement n'agit pas,
comme Sandrine l'a dit, on a fait passer un amendement par la voie démocratique. Tout le monde est contre le gouvernement sur ce sujet. Vous imaginez, la NUPES, LR, RN, tout le monde a voté pour cet amendement de 12 milliards d'euros, ces amendements de 12 milliards d'euros sur la rénovation énergétique. Si même LR a voté pour ça, c'est parce qu'ils savent que c'est un sujet absolument majeur. Il faut réduire les émissions, mais il faut aussi alléger les factures des Français. On est en crise énergétique et ça ne va pas s'arranger. Là, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire pour aider les Français, notamment des classes populaires. Il n'y a pas de raison d'attendre. Ces amendements, ils sont passés, le gouvernement doit les garder. Et si le gouvernement veut éviter qu'il y ait des actions comme ça qui se reproduisent à longueur de journée, dans les prochains mois, dans les prochaines années, par une génération qui se sent sacrifiée, donc on a l'impression que le gouvernement en a rien à faire de son avenir, en fait, bah, c'est au gouvernement d'agir. Et l'argent, il l'a. Hein. L'argent, il l'a. Ces 12 milliards, c'est très facile à les trouver. Hein. Bah, à l'Assemblée ou ici? Bah, je sais pas, ça, Sandrine, on attend. Nous ne sommes pas dans les petits papiers d'Elisabeth Borne, mais nous attendons 49-3 comme une espèce de sentence à chaque fois. Et là, en l'occurrence, parce que dans le 49-3, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le gouvernement choisit absolument les amendements qu'il garde et qu'il ne garde pas. C'est le fait du prince. C'est le fait du prince. Et vu les argumentaires qu'ils ont déployés contre ces amendements, qui étaient notamment portés par Eva Sas du groupe écologiste, mais pas que. Tous les groupes ont voté ces amendements. Vu les éléments de langage qu'ils déployaient contre ça, on a très peur que cet amendement saute. Or, c'est un amendement vital. Vital pour ces générations futures, vital pour les générations actuelles qui vivent dans les passoires thermiques. On ne peut plus négocier avec le climat, on ne peut pas attendre. On a quelques mois, tous les rapports qui préparent la COP27 nous disent que on est dans une situation pire que toutes les prévisions que l'on avait fait jusqu'à présent. Quand est-ce qu'on réagit? Comment on fait pour faire prendre conscience de l'urgence de la situation? Ils participent à cette prise de conscience de l'urgence. Merci à eux. Bonjour. On a passé ou pas? C'est ma personne de contact qui va être vite. Bien sûr. Pourquoi vous êtes collé devant l'Assemblée nationale là? Eh bien, en fait, si je suis là devant l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, il y a eu deux propositions d'amendements qui proposent de donner énormément d'argent pour financer la rénovation thermique des bâtiments. Et c'est ce pourquoi je lutte, parce que c'est une mesure qui fait consensus et qui est essentielle pour lutter contre le dérèglement climatique. Sauf qu'en fait, le gouvernement veut passer à un 49-3, ce qui empêcherait en fait ces amendements d'avoir lieu et ce qui serait catastrophique. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en arrive à un stade où je dois m'asseoir sur la route et me coller la main. Voilà, c'est quand même, c'est pas rien de faire ça, mais justement pour pouvoir lutter pour votre futur, mon futur, celui de mes proches, celui de ce que j'aime en fait. Se coller comme ça, c'est pas une solution radicale, c'est un extrême. Est-ce que c'est extrême? Enfin, je sais pas en fait, qu'est-ce qui est radical dans se coller la main? Enfin, je sais pas si c'est radical. Enfin, moi je vois pas comme ça, je vois juste ça comme quelque chose de nécessaire que je dois faire maintenant pour mon avenir et pour celui de mes proches. Le soutien des députés, là, ça me motive à continuer ce genre d'action. Bah oui, c'est vrai que ça fait. Enfin, plus on est de citoyens, citoyennes, inquiets, inquiètes, à lutter, c'est comme ça qu'on va réussir à faire bouger les choses, en fait. Et l'histoire l'a prouvé d'ailleurs. Et merci. Tenez la ligne. Vous restez un peu jusqu'à
Ça fait comme le grand 8 quand la première boucle est finie, ça. L'objectif, c'est de retrouver le climatique. C'est pas monsieur. Bravo, Rachel. Bravo, Baptiste. Bravo, Timo. Du coup, oui, tu disais. Bonjour, bonjour, bonjour. Ouais. On va vous mettre les mains sur le collier. Monsieur, on va mettre les mains sur le On a de l'eau pour vous rincer la main, d'accord? Essayez quand même. On va décoller pour vous. Il y en a deux qui vont rester là, mec, voilà. Tu restes là avec lui. Allez. Du coup bien là en fait on est en train de me décoller la main. Ah mais vous étiez collé la main? Oui, je m'étais collé la main avec de la glu. Monsieur, s'il vous plaît, il faudrait reculer un peu. On est en cause juste. Ça va pas.
responsabilité de rester pour être sûr que tout se passe bien pour eux. Vous en pensez quoi de cette... Il y a encore... Voilà, on le voit là, le risque policier, il était énorme aujourd'hui. Vous en pensez quoi? Je pense que le gouvernement, manifestement, a beaucoup plus peur des écologistes que du dérèglement climatique et que c'est une erreur fondamentale parce que le dérèglement climatique nous met tous en danger alors que ces militants ne font qu'alerter les consciences de manière, encore une fois, non violente pour que les choses bougent et pour que notre planète, nous n'en avons qu'une seule, il n'y en a qu'une seule qui soit habitable à notre connaissance aujourd'hui, que notre planète reste vivable. Et c'est très important pour tout le monde. Donc ils garantissent le bien commun, ils font une action qui bénéficiera à tout le monde, même s'il y a eu des gênes aujourd'hui, c'est une action pour tout le monde. Vous seriez prête à rester combien de temps si vous étiez resté encore 2 heures jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci. Merci.